Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wikitéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir créer un compte, vous inscrire sur le site internet split.com. Donc comment faire un compte, créer un compte rapidement et simplement. Donc je vous invite à bien suivre ce tuto jusqu'à la fin. Alors si vous ne le savez pas, split.com c'est un site internet qui vous permettra de pouvoir partager vos abonnements ou bénéficier d'abonnements à Netflix, Amazon, Disney ou autres beaucoup moins cher. Donc imaginons que vous avez un compte donc Disney+, à, je ne sais pas, mettons 30 euros par mois, hein, je ne sais pas du tout les tarifs, et ben vous pourrez partager vos abonnements pour pouvoir payer moins, c'est-à-dire partager à 4 personnes et diviser le tarif total par mois par 4. Donc voilà, donc c'est un site internet qui est très utile si vous voulez bénéficier de réductions sur tous les types d'abonnements. Donc comment faire pour pouvoir s'inscrire? Et ben c'est très simple, je vais vous mettre le site en description, vous cliquez sur le site en description. Le lien du site, vous allez accéder donc sur cette page. Vous allez cliquer tout en haut à droite sur s'inscrire comme ceci. Vous cliquez sur j'ai pris connaissance des conditions générales d'utilisation comme ceci. Vous pouvez vous inscrire soit avec Facebook, avec Google, avec Twitter, avec Apple, mais aussi avec votre adresse mail. Alors vous pouvez voir qu'il y a plusieurs disponibilités, hein. Donc les premières, ça sera plus simple si vous avez déjà des comptes Facebook, Google. Normalement, tout le monde a un compte Google. Vous avez juste à mettre votre adresse ainsi que votre prénom. Ou sinon, vous pouvez vous inscrire avec email. Donc moi, je vais cliquer sur email. On va mettre donc son nom. Donc moi, je vais mettre YouTube. Voilà. Vous mettez, vous, bien évidemment, de vraies informations. Ensuite, on va cliquer sur continuer. On va sélectionner donc le pays. Donc on vient de France. On va mettre donc son adresse mail. Voilà. On va mettre un mot de passe. Donc un mot de passe, je vous conseille un mot de passe à 8 caractères minimum, des chiffres, des lettres, des majuscules, pardon, ainsi que des caractères spéciaux. Donc moi je ne sais pas, on va mettre. Allez, on va en trouver un. Voilà, donc pendant que vous faites ce mot de passe, si vous avez fini, je vous invite à vous abonner. Ça nous aidera beaucoup, ça nous aidera aussi à développer la chaîne et à vous proposer de meilleurs tutos. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez voir qu'il y a le niveau de sécurité. On va cliquer sur Je ne suis pas un robot et on va cliquer sur J'ouvre mon compte. On attend bien évidemment que ça charge. Voilà, vous pouvez voir que ça peut mettre du temps. Ne vous inquiétez pas, ça là, cela va dépendre de votre Wi-Fi, de votre connexion Internet. Vous pouvez voir que ça charge juste ici. On attend. Pendant que ça charge, je vous invite à partager ce tuto à une personne qui veut découvrir donc le fait de pouvoir bénéficier d'un abonnement enfin pas gratuit mais à réduction. Voilà, vous pouvez voir que la page a chargé et que notre compte est bel et bien donc disponible. Et là, vous pouvez voir qu'on peut bénéficier par exemple de Disney Plus à 2,71 euros par mois, Netflix à 5 euros, etc. Donc, je vous présenterai plus en détail donc split.com, donc le site. Avec les fonctionnalités, comment bénéficier donc des meilleurs tarifs, comment mettre un abonnement, c'est-à-dire proposer un abonnement juste ici, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos tuto dessus. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour pouvoir créer un compte sur split.com. Donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo. Comme je vous ai dit, ça nous aidera beaucoup pour vous, mais aussi à développer la chaîne. Et surtout à partager ce tuto à une personne qui désire connaître cette astuce et surtout avoir des abonnements beaucoup, beaucoup moins chers. C'était la chaîne Wikitéo, à bientôt.